Donc, nous allons commencer. Je vais voir si la foule est présente. Comment on commence? Non, je crois qu'il y a un problème au niveau cellulaire de Ronald Marion. Et un peu Toronto West là, au niveau. Vous êtes le public, il faut encourager. Le public, est-ce que vous êtes là? Maintenant, de l'autre côté gauche, nous avons une équipe qui va par le nom de Gabriel Dumont. De l'autre côté de la glace, nous avons une équipe qui va par le nom de Étienne Boulay. Salto bleu, un poster. Même chose. Un pro, un pot, un tour. Okay. Donc, je fais les présentations. À mon côté droit, à cette édition, nous avons la merveilleuse Delica. Nous avons ici les deux DJ professionnels. Elles sont super. On les applaudit. On a Yolanda et Eric. Je suis bien avec vous, ça fait très grand plaisir, je m'appelle Corey et c'est avec grand plaisir que je vous présente la belle, des fois un peu méchante, des fois. Amy Kaya! Ah, j'ai une idée. Tu sais quoi?
Mon troisième vœu, j'aimerais que tu... tu veux que j'ai déjà mangé ce kiwi. Bizarre comme vœu. Mais... ok. Wow! Je suis pleine! Et je crois que pour mon dernier vœu, j'aimerais devenir le génie des kiwis! Impossible. Quoi? Mais tu as dit que tu allais me donner 4 vœux. C'est mon quatrième. C'est impossible qu'un génie fait un autre génie. Alors... Oh, j'ai une idée. Ici, on est chargé de place. Comme, moi, je voudrais prendre ta place parce que j'aimerais tellement être dans un génie. Comme dans les films, c'est qu'ils vont avoir l'air tellement cool. Ok. Ouais? 3, 2, 1... 5! Quoi? Ah! Je déteste les génies! Tout ce que je voulais, c'est un génie de kiwi. Tu sais quoi? Je vais le faire moi-même. J'ai pas besoin de magie. Regarde! Je prends 3 kiwis. Hop! Hop! Ah! Attends. 3 kiwis. Ah! Ok, j'ai besoin de magie. S'il vous plaît, aide-moi! Je veux être le génie de kiwi. Tiens, juste de la magie. Wouh! Wow! Oh mon dieu! Laisse-moi essayer! Wow! Tu pourras me dire tout ce que tu veux. Sous tes faux rires et tes grands ailes, c'est pas la peine. Tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux. Tu fais de la peine. Je t'aime quand même. Je vois tes potes, tes boss ou tes collègues. Tu prends vraiment pour un con. Tu crois que tu m'adores. Même derrière ta face, et serre mon corps à toi, je suis la face, ça me plaît. Le froid, la soif, la dame, la tournée, tu la face, ça me plaît. Ok, ok, ok. Donc, pour ce match-là, l'arbitre a accordé 0 punition, mais nous aimerions partager avec le public que. Gabriel Dumont a un retard de jeu majoré en allant de l'avant. Donc, il commence le match avec 2 punitions. Ok. Bravo, on peut quand même les applaudir. Super aux deux équipes. Belle présentation. On passe au vote. Mainouvert.fr. Comparé, qui aura pour thème le cauchemar. Nombre de joueurs, 4 maximum par équipe. Catégorie libre, durée 2 minutes 15 secondes. Si je comptais, je compterais pour toi. Je compterais mes histoires. Je compterais mes histoires. Je suis la prochaine. Je suis la prochaine. Je suis la
cette semaine. Ah. Mais non, s'il vous plaît, non. Je veux pas dormir. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu es un grand garçon. Tu as un médicament? Oui, j'ai la solution. On a une solution? Je suis allée au magasin l'autre jour et j'ai eu quelque chose de spécial pour faire partir tous les mauvais rêves. Ok, je peux le voir? Regarde, ceci, ça va enlever tous les mauvais rêves. Je vais juste le mettre dans ta chambre. Je peux le voir? Maintenant, fais dodo! Et je ne veux pas nettoyer ton lit plus tard! Donc, l'arbitre a été super gentil. Elle a accordé 5... 0 punition. Bravo les équipes. Donc, on passe au vote. Main ouverte, point. Prochaine improvisation sera une improvisation mixte qui a rapport thème la fête du quartier. La fête du quartier. Nombre de joueurs illimité.
Catégorie libre, une durée de 2 minutes 30 secondes. La fête, c'est une fête. Qui c'est qui connaît cette chanson? Ok, chante avec moi. Chante avec moi. A dû sévir trois punitions au total, deux punitions du côté de Gabriel Dumont, une pour non-respect du thème et l'autre pour un retard de jeu.
Et du côté d'Étienne Boulay, un non-respect du thème aussi. Chère madame l'arbitre, j'aime tes cheveux. Deux équipes et de la merveilleuse foule. Pourquoi cette finalité de non-respect du thème? Le thème était la fête du quartier. Le thème que j'ai vu, c'était le gâteau. Vous comprenez? Donc, il y avait vraiment... Oui, ça fait partie d'une fête, un gâteau, mais il y a plusieurs étapes. Puis, c'est la fête d'un quartier. Donc, vraiment, on n'a pas vu ces éléments-là dans l'improvisation. Donc, on passe au vote. Mais ouvert. Point. On ayant accumulé aussi trois punitions, Gabriel Dumont donne un point à Étienne Boulay. On applaudit les deux équipes! La prochaine improvisation sera une improvisation comparée qui aura pour thème le temple. Le temple. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre. Durée 1 minute 45 secondes. Tu dois continuer à marcher et ignorer les clous.
car il veut juste moquer comme moi. Non. T'es parti là-bas. Ok, on y va vite. Oh, j'ai trouvé la sortie. On y va. Dieu, oh, j'ai tellement de voir. Oh. Excuse-moi. Je m'appelle Zainab. Je m'en fiche. Je suis très calme. Je médite. Je peux te montrer comment méditer aussi, te relaxer. Méditer? Tu penses que moi, je peux me calmer? J'ai tellement de voix, tellement de tests et... C'est exactement pourquoi tu dois méditer, sinon tu ne pourras pas étudier. Alors, viens mon ami. Voici mon âne, elle s'appelle Annabelle. Alors, viens ici. Alors, je vais t'apporter un temple, ok? C'est un temple super secret où tu peux méditer. Je m'en fiche, je dois finir mes devoirs. La maîtresse... Elle va t'aider à trouver les réponses à tes devoirs. Tu vas voir. Alors, entre dans ce temps. Allez. Respire. Est-ce qu'on peut finir vite, s'il vous plaît, car j'ai beaucoup de choses à faire. Ferme tes yeux. Maintenez comme ça. Et là, respire. Je respire. Comment tu penses que je suis en vie? Fais ce que je te dis. Et dans 5 secondes, tu vas être correct. Respire. 1. Expire. Tu te sens bien? Oui, mais. Ok. Et puis là, on a presque fini. Annabelle, tu es prête à la montrer la prochaine étape? Allez, vas-y. Tu dois la suivre. Alors ici tu vois, oh, ici on va voir le lever du soleil. C'est la mer. Allons, tendez les mains tout le monde. On s'énergise un peu. Je sais qu'on est fatigué. Certaines personnes sont dans le même. Par rapport à ce qu'on dit. Ok. L'arbitre a accordé 0 punition. Bravo! En partant, Paul, mais Hubert, I'm
Et tu folle?
$5,000 pour un chapeau. 10 000. Ouais. 10 000. Et on le répète une troisième fois, encore plus exagéré. C'est un chapeau, c'est un bateau! Oh mon dieu, ça c'est dégueulasse! Et aussi, j'ai aussi un chandail de la même chose. Eww! C'est la chair d'une poule! Quoi? Mais j'ai payé comme tout mon argent! Ça c'est $100,000 plus du travail pour ma chère! C'est tellement stupide! Pourquoi as-tu payé tout ton argent pour ces dégueulasses chapeaux? Oh, c'est ça que vous craignez de moi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est comme une poule sur ta tête! On peut le voir! Ne me touche pas. Oh mon dieu, je crois que je vais voir. Je vais ton ami. Eh mais vous devez me dire quelque chose que je dois faire avec. On ne va pas t'aider car comme on est des bonnes amies, on ne va pas être dégueulasses comme toi. Oh oui, Emma. Et on le fait une dernière fois, exagéré au maximum. Regarde mon costume de poulet. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Oh, c'est pas des vraies poules. Oui, c'est. Regarde, en arrière, ça dit. Arrête, ne me touche pas. Tu ne vrai. Poule. Yeah! C'était la dernière improvisation du match. L'arbitre a accordé une punition à chaque équipe et c'est la même punition, procédure illégale. Chère madame l'arbitre, pour le bien des deux équipes et de notre très merveilleuse poule, oui, oui, c'est la finalité de procédure illégale. Oui. Donc, procédure illégale pour vous, c'est la communication avant que vous ayez embarqué sur la glace. De votre côté, c'est parce que c'était une mixte et vous avez tout rentré quand c'était la rondelle. Donc, c'était. Oh. Je veux dire, c'était une comparée. Je suis contente. Vous avez fait une erreur. Ça l'arrive. Donc, c'est pour ça. On passe au vote. Main ouverte. Bon vote. Allez, on va tous. On choisit une étoile, on choisit une étoile. Allez chercher votre étoile, s'il vous plaît. Merci à Amy, votre arbitre. Merci à Zanika.
Désolée, j'oublie pas un annonce. Vous savez, il y en a une demi-heure, il fallait vous préparer.